Bienvenue à ce nouveau podcast Netch & Bright, la section NetWell qui est dédiée à ton épanouissement personnel, à la gestion de tes émotions et à l'écoute de tes besoins pour atteindre une vie épanouie, alignée et saine. Ma mission est de t'aider à renouer avec un mode de vie sain grâce à des méthodes naturelles et holistiques et ainsi retrouver une relation bienveillante envers ton corps. Dans ce podcast d'aujourd'hui, je vais te présenter une méthode efficace pour retrouver une relation saine avec ce que tu manges et dire ainsi stop à l'alimentation émotionnelle. Je te conseille d'appliquer cette méthode à chaque fois que tu ressens des émotions désagréables ou parfois même agréables, mais qui te poussent vers la nourriture lorsque tu n'as pas faim. Cette méthode t'aidera à reprendre le contrôle sur ton alimentation et donc à donner à manger à ton corps lorsqu'il en aura réellement envie et lorsqu'il aura réellement faim, mais pas lorsqu'il voudra compenser une émotion via la nourriture. Dans ce podcast, je me base sur les recherches d'Evan Thompson, qui est un professeur en philosophie et qui, grâce à ses recherches, a développé une méthode qui aide à améliorer la connexion entre le corps et l'esprit et ainsi apporte des bienfaits dans la gestion et l'expression des émotions face à la nourriture. Afin de débuter cet exercice, je vais te demander de te coucher dans une pièce au calme où tu sais que tu ne pourras pas être dérangé pendant ces 15 prochaines minutes. Je te conseille de baisser un peu l'intensité de la lumière. Et si tu en ressens l'envie, d'allumer une bougie ou de diffuser quelques huiles essentielles. Une fois que tu es bien installé, laisse-toi maintenant guider dans cette expérience bien-être qui t'aidera à t'éloigner de ton alimentation émotionnelle une fois pour toutes. Je te laisse avant tout prendre quelques grandes inspirations. Inspire par le nez et expire par la bouche. Lors de ton inspiration, sens toute la cage thoracique qui se gonfle et qui se vide quand tu expires. À présent, à chaque fois que tu expires, imagine que tu laisses sortir toutes les émotions qui sont stockées en surplus dans chaque partie de ton corps. Inspire profondément et expire en relâchant toutes ces émotions. Prends le temps d'inspirer et de ressentir ce qui se passe dans ton corps et ensuite d'expirer en relâchant tes émotions. Maintenant que nous avons relâché les émotions stockées dans notre corps, nous allons nous connecter sur chaque partie de notre corps dans le ici et le maintenant en procédant à des contractions de 10 secondes et des relâchements de 20 secondes. C'est-à-dire que je te guiderai sur la partie de ton corps à contracter et je t'informerai quand tu pourras la relâcher. Pendant le temps de relâchement, profite de respirer profondément par le nez et par la bouche. Nous allons procéder à ces contractions en commençant par le bas de ton corps et ensuite on va remonter progressivement. Commence par contracter les pieds et tes orteils, comme si tu voulais retenir quelque chose entre tes pieds, très 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 fort, et que ça ne devait absolument pas échapper. On tient encore. Et là maintenant, tu relâches. Tu inspires et tu expires. Tu ressens encore quelques picotements dans les pieds
dû à la contraction profonde et tu profites de ces sensations, de ressentir chaque partie de ton corps vivant. On va maintenant contracter les mollets pleinement, comme si tu devais te mettre sur la pointe des pieds. Tu pointes et tu sens cette contraction dans toute cette partie des mollets. Ça commence à chauffer, à picoter. Et maintenant, tu relâches. Tu ressens l'afflux sanguin qui se détend également, le sang qui arrive jusqu'à tes pieds. Ressens toutes ces sensations une par une que crée la contraction musculaire. Tu inspires et tu laisses tout partir par ton expiration. Maintenant, on va remonter vers les cuisses que tu vas maintenant contracter profondément. Profondément, tu fais une grande extension du genou. Tu tiens, tu contractes. Tu sens tout ce grand muscle qui se contracte pleinement. Et maintenant, tu relâches et tu sens cette grande charge qui sort, surtout quand tu expires. Tu sens également légèrement ces pulsations de ton corps, de ton cœur qui s'accélère dû à cette contraction. Et ça fait du bien. Tu te sens vivante. Tu contractes maintenant les fessiers très fort. On contracte, on tient à fond. Il tremblote un tout petit peu également. On le tient encore quelques secondes. Et maintenant, tu vas pouvoir le relâcher avec une grande expiration en même temps. Tu ressens ce relâchement qui se fait à chaque fois plus profond, à chaque fois plus grand dans ton corps. Profite de ces quelques secondes pour ressentir et profiter de ce relâchement profond et de cette vie qui se balade dans ton corps et dans tes membres. Je te laisse maintenant contracter fortement tes abdominaux, comme si tu voulais rentrer le nombril contre la colonne vertébrale. Que tu retenais fort, comme si tu étais en gainage. Tu tiens encore quelques secondes. Et maintenant, avec une grande expiration, tu relâches. Relâche profondément. Relâche sans retenir. Relâche tout ce que tu as à l'intérieur, qui sort de tes tripes, qui sort de ton corps. Profite de cette expiration libératrice. Nous allons maintenant nous transformer au Wonder Woman et contracter ce dos en imaginant qu'on est forte et qu'on contracte tout le grand dorsal, qu'on contracte fort. Yes, on se sent forte, vraiment là. On sent cette grande contraction tout au long de notre dos, vraiment bien fort. Et là maintenant, en expirant, on relâche le tout. On inspire profondément. Te sens connectée
tu te sens détendu et tu te sens surtout vivante et alignée. Quelle sensation de bien-être lorsqu'on se sent là, ici, maintenant. On va maintenant contracter très très fort les pectoraux. Tu peux également contracter tes poings en imaginant que tu resserres tes poings l'un contre l'autre et tu sens ta poitrine qui se contracte fort, 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 fort. Et tu relâches maintenant pleinement. Tu sens peut-être quelques petits os également qui cracotent. Tu sens ton corps réveillé. N'hésite pas également à le bouger un tout petit peu dans ces moments de relâchement, si tu en ressens le besoin. Nous allons maintenant faire une extension de tes coudes pour contracter les triceps. Tu sens l'arrière de ton bras qui est tendu. Tu tiens, tu tiens, tu tiens. Tu sens tout l'arrière de ton bras bien contracté, bien tendu. Et maintenant, tu relâches. Tu te sens à chaque fois plus ancré, à chaque fois plus détendu dans le sol. À chaque expiration, tu ressens cette légèreté dans ton corps qui s'installe. Je te laisse maintenant contracter les biceps comme si tu devais tenir fort des sacs très très lourds remplis de courses. Et là, tu ressens ton biceps contracté et fort. Et tu tiens encore quelques secondes, encore, encore, fort. Et on relâche le tout. Tu sens depuis le tout bas de ton corps jusqu'à tes biceps ce relâchement et ce bien-être. Nous allons encore contracter les épaules à présent. Tu sens que tu te bombes. Tu sens toute la partie de tes côtés des deltoïdes, une contraction dans tes bras également qui se fait au même temps, d'une façon instinctive. Tu tiens encore. Tu expires et tu relâches. Allons encore contracter la nuque. Voilà, tu ressens comme si le haut de ton corps était rigide. Tu dois le retenir fort par les trapèzes, par la nuque. Plus rien ne bouge. Et dans 2 secondes, tu expires et tu relâches. Tu relâches cette charge, tu relâches ce poids. Tu relâches tout ce qui reste à relâcher. Nous allons terminer par une contraction de la mâchoire de ton visage en faisant une contraction de tout ton visage en contractant très fort les dents. Très 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 fort. Et on tire encore, encore, encore. Tu peux encore contracter là maintenant. Tu relâches et tu sens tous les traits qui se lissent sur ton visage. Comme si tu passais avec une plume sur ta peau. Et tu profites profondément de cette connexion avec ton corps, de l'amour que tu lui donnes, de ce bien-être. Cette légèreté que tu ressens.
À présent, prends 5 grandes respirations profondes. Et prends le temps pendant ce temps de remercier ton corps de t'avoir accompagné dans ce processus de libération émotionnelle. Tu te sens à présent aligné et tes réflexes compensatoires sont partis. Tes émotions sont à présent apaisées et tu peux continuer ta journée dans le bien-être et l'alignement en étant fier de toi d'avoir su utiliser les ressources que tu as à disposition. N'hésite pas à refaire cette méditation à tout moment, lorsque tu en ressens le besoin ou lorsque tu ressens une perte de contrôle émotionnel qui ne te fait pas du bien, comme par exemple celle de l'alimentation émotionnelle. Je t'envoie plein d'amour et de good vibes. Ta coach bien-être, Paola.